On vient prêter main forte aujourd'hui, nos bras surtout. On vient aider avec des boîtes de Noël pour distribuer des boîtes à des gens qui ont un peu plus de misère au temps des fêtes. Puis disons qu'on est très contents d'être ici. Ça fait 2 ans que je suis au Cégep de Trois-Rivières, puis à chaque année, on essaie de trouver 2 activités de bénévolat par année pour essayer de redonner à la communauté. Pour nous, c'est important d'être impliqué dans notre région. On est très fiers d'être ici. Mais cette année, c'est M. Kemp, un ancien Diablos, qui est venu m'approcher pour me proposer cette activité-là. Puis j'ai vraiment aimé ma première journée hier et je crois qu'on va faire ça d'une façon annuelle maintenant. Ça fait plaisir de venir ici, fait que pas de stress. Qu'est-ce que ça représente justement pour la famille des Diablos d'aider un organisme ici là, à quelques jours de Noël? Ben honnêtement, on s'est toujours impliqué puis on essaie d'être le plus proche de notre communauté. T'sais, à Trois-Rivières, honnêtement, il y a tellement de monde qui vient voir nos parties. Pas juste la famille, mais vraiment les partisans, les fans, toute la communauté de Trois-Rivières. Fait que ça fait plaisir de redonner ensuite. Hein. Bien, c'est sûr, en fait, nous, on a commencé à faire beaucoup plus de bénévoles depuis que François Dussault, en fait, est arrivé ici au Diablos. Puis ce que ça représente, c'est en fait, c'est juste de redonner à la communauté. On est des gars en forme, puis tu sais, des fois, là, oui, on est en fin de session, mais on a du temps aussi à offrir aux autres. Fait que c'est pour ça aussi, pour le temps des fêtes, il y a des familles qui en ont plus de besoin que nous. Donc, Mais je crois que c'est vraiment une question de valeurs. Je pense que les valeurs qu'on prône dans notre sport, évidemment, le respect, le travail d'équipe, tout ça, je pense que les jeunes le ressentent. Je pense que c'est agréable de donner à d'autres puis de ne pas penser à soi. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu oublié de nos jours. Puis je pense qu'en faisant des activités comme ça, les jeunes répondent vraiment beaucoup et très bien à ça. Puis j'ai même pas besoin de courir après eux pour demander qui est prêt à en faire. Ils sont pas mal tous là pour venir porter main forte.